un cadeau de Noël, c'est vrai que c'était cherché. À coup d'hydrocarbures, la Bretagne s'est fait lifter. Mais quand on lui souligne au crayon noir ses jolis yeux, pense pas que ce soit vraiment la couleur qu'elle aime le mieux. Ça n'a pas vraiment l'air d'inquiéter outre mesure. Peut-être que la mer digère bien les hydrocarbures. Ça n'a pas non plus l'air d'inquiéter les pétroliers. Peut-être que la mer un jour, elle va crever. Tout le monde avait juré, plus jamais ça n'arrivera. L'exception qui confirme aujourd'hui, c'est l'Erika. Mais qu'est-ce qu'on va d'initiative. Faudra combien d'années pour que les couleurs revivent? Faudra encore mentir, venez chez nous, la mer est belle. Mais faudrait peut-être qu'on arrête de la prendre pour une poubelle. Tout le monde avait juré, plus jamais ça n'arrivera. L'exception qui confirme aujourd'hui, c'est l'Erika. Mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir le raconter à ces milliers de Bretons qui ont vu leur tête crever? Espérons que jamais ça n'arrivera chez toi.